Nationale de théâtre populaire du Congo. Après le mot de la NTPC, nous allons clôturer cette série de prises de mots par celui de son excellence, monsieur le ministre de la Culture ou son délégué. Après cette série de prises de mots, nous allons procéder au dépôt des gerbes de fleurs. Et juste après le dépôt des gerbes de fleurs, s'ensuivra la levée du corps pour la place des artistes où nous allons procéder au dévoilement de la plaque en mémoire de l'artiste Mouteba Moussangou Samuel alias Chapa. Et après le dévoilement de la plaque, tout de suite, j'appelle donc M. Soukari Elombé pour l'oraison funèbre. Chanson, plein de souvenirs, cette chanson est aussi et fait partie de la vie de celui que nous pleurons aujourd'hui. Ainsi poussé vers le nouveau rivage, dans la nuit éternelle emportait son retour.
ne pourrons-nous jamais jeter l'ancre sur l'océan des âges ? Disait Alphonse Lamartine. Oui, Samuel Muteba Musangu Dishaba, le Moscovite, a poussé, il est poussé vers le nouveau rivage. Il est passé de l'autre côté de la Seine, que dis-je ? Il est passé derrière les rideaux. Et s'est installé dans les coulisses éternellement, d'où il continuera à regarder la suite de cette pièce de théâtre et la vie. Oui, comme tous les auditeurs du célèbre penseur et auteur sénégalais, Miragonian, il disait, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le ventre de la femme. Ils sont dans le bébé qui pleure. Ils sont parmi nous. Chaba est pour ainsi dire parmi nous, et bien confortablement installé dans les coulisses éternelles, et bientôt sera aux côtés de Stewart Inga, Nsengo Liangenda, Ebale Mondial, Mopepe, Monzele, Mindondo, Sans Souci, Papa Chef, Chapo, Doudoumbafoura et j'en passe. Et comme eux, il sera sous le regard critique des metteurs en scène, Chitenge Sana, Mekanza Mobiem, Honoré Galant Mutombo Bwitch. En effet, sur scène, tous nous sommes. Et au théâtre, tous nous jouons. Et cette icône, née en 1956 à Kinshasa, qui repose dans cette caisse en bois, a fait du théâtre depuis sa tendre enfance, dans la troupe Mwangazo, créée par Feu Niemba Arthur. Sa grandeur, Chitenge Sana, en 1975, avec son ami et voisin du quartier, Inga Stewa. Nous retiendrons que ces deux noms, Inga et Chaba, sont tirés du projet Inga Chaba, du projet d'électrification de la nation par le maréchal Mobutu. D'où sont venus ces deux noms, Inga et Chaba. Il a vu venir tout le monde au groupe Salongo et toutes les générations qui ont joué dans le groupe Salongo. C'est une bonne partie du théâtre populaire télévisé qui s'en va avec lui. Avec Kwegi Maïputu, Mama Alinga, Sonzo Simon, Mama Bomengo, Koko Nyoko, Mama Bolingo, et plus tard par Masasi Karkouche, Lipati, Mindondo, Elombe, Essengo, Azoua, Karine Pala et bien d'autres. Travailleurs assidus, les grandes réalisations aussi bien du cinéma que des dramatiques télévisées congolaises et de ce qu'on appelle un zonzing, Chaba a répondu avec brio, soit comme interprète, soit comme membre de... Vous le trouverez dans La vie est belle, dans Mon en sous, dans Dialogue contre sans souci, dans Beaucoup d'Agne, dans Tout pour mes enfants, dans Moscovite et bien d'autres. Bref, toute une vie consacrée en tion pour applaudir l'artiste qui s'en va, pour dire bravo l'artiste. Parmi nous à travers ces différentes œuvres. Le paradoxe, très reconnu et primé par plusieurs organisations culturelles au pays, dont la dernière en date, le prix de l'immortalité lui décerné par la Fondation Tokalisa il y a deux semaines, Chaba, primé en Afrique en 2014 en Côte d'Ivoire, est reconnu comme citoyen de la ville de Toulouse en 2012. Chaba, très salué par la diaspora congolaise, le moscovite Chaba quitte cette terre sans la moindre reconnaissance officielle de son pays. Aucun brevet, ni une moindre médaille, malgré tous les mérites. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu entreprendre une quelconque démarche
pour une décoration à titre posthume qui ne serait que moquerie et hypocrisie nationale. Et depuis sa création en 1975, 47 ans, bientôt en février, le groupe Salon de Théâtre de chez nous n'a jamais bénéficié d'un regard intéressé des autorités. Malgré son immense travail de mondialisation, de lutte contre les antivaleurs, dans un divertissement sain, malgré l'engagement de ses membres à la bonne citoyenneté, le membre du groupe Salongo, disais-je, partage la misère dans l'insouciance totale des dirigeants qui se complaisent et se limitent aux félicitations verbales. Outil de propagande, de sensibilisation et de vulgarisation des bonnes mœurs, ce groupe a toujours accompagné les différentes politiques nationales à travers ses œuvres diffusées à la télévision nationale congolaise, la RTC. Depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ce jour, le groupe Salon de Théâtre de Chenou remplit son devoir, son rôle social de divertir en riant. Qu'il nous soit permis de rappeler à la mémoire collective les œuvres comme Salon congolaise à revenir au pays et travailler pour la nation. Et plusieurs autres pour, dans sa lutte pour la bonne gouvernance, dans sa lutte contre la COVID-19, dans sa lutte pour la mondialisation de la gestion de la chose biblique, et d'autres, le groupe Salon répond présent. Je m'interdis de croire qu'il faille faire nécessairement de la politique pour mériter reconnaissance et vivre et bien vivre en RDC. Je me permets d'espérer, à l'état du fils du pays, le docteur Denis Mukwege, qui a finalement obtenu le soutien de son pays à travers le chef de l'État, le groupe Salongo continue d'espérer. Bana Bazali Wapi. Posé par la disparition de notre frère Samuel alias Chaba Mouskoubi. Avec son caractère humoriste, il était porteur de valeur, un artiste doux, gentil et ouvert à tous. Pratiquant de valeurs chrétiennes, créant ainsi un bon climat à temps et à autre temps. Une ambiance harmonieuse à vous. Du théâtre populaire du Congo, je viens prendre le micro pour le mot de l'NTPC. Le 27 mars dernier, alors que nous étions en train d'esquisser quelque part des danses au palace à l'occasion de la journée internationale du théâtre, alors que nous venions de terminer la première partie de notre manifestation qui était destinée à une formation de renforcement de capacité avec l'appui de nos amis de l'INA, Chaba m'interpella pour dire, mais président Massoumou, ce 27 mars est une grande réussite. Je ne croyais pas qu'on pouvait mettre ensemble plus de 350 artistes dans cette grande salle de Pacifique Palace. Un petit instant de heureuse mémoire
créateur, fondateur, réalisateur du groupe Salomon, rigoureux directeur du programme TV, grand homme de culture. L'association des enfants des artistes comédiens se prépare. L'association des enfants des artistes comédiens. L'association des enfants des artistes comédiens. Place pour ôter comme un kebaye matin à chaque le délégué de l'honorable député national Christelle Gouanda pour suivre. Thank you.
Oh là là, on va me ramener, voilà.